Avant de rechercher le plan d'une dissertation juridique, avant d'écrire les développements d'une dissertation juridique, avant de faire l'introduction d'une dissertation juridique, il est nécessaire d'observer une phase préparatoire. Cette phase préparatoire, cette étape préparatoire, consiste à analyser le sujet. Et cette analyse va être faite en deux étapes. La première étape, c'est tout simplement de lire le sujet. Il faut le lire plusieurs fois. Ces lectures répétées doivent aider à bien comprendre le sujet, à comprendre son sens et à comprendre sa finalité. Ces lectures répétées doivent aussi vous aider à bien déterminer le sens de chaque mot. Une fois que le sujet a été bien compris, il faut passer à une seconde étape. Cette seconde étape consiste à faire une liste, un inventaire de toutes les idées relatives au sujet à traiter. Réaliser cette liste permet de déterminer les éléments à traiter. Il faut mentionner dans cette liste la totalité des idées qui concernent ce sujet. Ce travail permet aussi d'écarter les idées qui seraient hors sujet. On va donc lister toutes les idées qui se rapportent à ce sujet et on va pouvoir les rapprocher ou les opposer ou trouver des évolutions entre elles, ou au contraire trouver des situations persistantes. Ce travail va permettre de constater la présence de lignes directrices et ces lignes directrices vont être utilisées pour faire le plan de la dissertation juridique.